Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour, enfin. Donc là, vous avez vu, je suis masqué. C'est la réouverture officielle de Disneyland Paris aujourd'hui. C'est le grand jour. On va faire une journée vlog. Enfin, voilà, on va tout découvrir qu'il y a. Voilà, donc, petite chose. Alors, il faut obligatoirement, pour venir au parc Disneyland, comme vous savez, il faut une réservation. Donc il faut un billet d'entrée parce que aucun billet n'est vendu le jour même. Il faut venir sur le masque. Pour réserver votre billet, comme vous savez. Vous n'avez plus qu'à profiter de votre journée. Donc par contre, ça se situe en bout de fil, vous contrôlez le QR code que vous recevez par email. Et ensuite, vous pouvez rentrer dans le parc comme d'habitude. Allez, je vous amène avec moi. Allez, c'est parti. Réouverture Disneyland Paris. On l'a enfin longtemps attendu. Allez, c'est maintenant, on y va. Sans plus attendre, je vais demander à Mickey et à Minnie de se joindre à moi pour le compte à rebours final. Disneyland Paris est maintenant officiellement réouvert. Allez, on y va. On passe à la carte de Main Street. Attention. Et voilà. Bonjour, dites un petit mot. J'entends rien du tout. Vous étiez à Raymond, bonjour. Oui, bienvenue à Disneyland Paris, nous sommes hyper contents de vous voir ici. Enfin, la magie de retour, à très bientôt. Ça fait plaisir, franchement. On a tous les cast members qui nous applaudissent là. Bonjour! Ça fait super plaisir de voir ça. C'était enfin, le moment est venu. Allez!
ça y est, on a passé la grande folie de la réouverture. Maintenant on va aller, on va essayer de commencer du coup cette journée. On va essayer de se diriger en premier, on va aller tout droit vers Meet Mickey. Parce qu'on va aller essayer les nouveaux selfie spots. Vous savez, c'est les rencontres, enfin, c'est pas les rencontres, c'est des happening personnages. Vous pourrez vous prendre en photo en selfie avec eux. Donc voilà, donc c'est parti, on y va directement. On va essayer de profiter qu'il n'y ait pas trop de monde qui sont tous occupés à la réouverture pour aller voir du coup nos personnages préférés et on peut faire les attractions, etc. Voilà, allez, on va Meet Mickey, c'est parti. Tu m'as manqué, Mickey. Voilà, et on a vu Mickey, Dingo, Pluto, etc. Donc c'était super. Juste on passe à côté, vous voyez le restaurant Todo pour l'instant toujours fermé. Maintenant on va commencer par faire quelques attractions. Je pense qu'on va aller voir du côté de. Je sais pas si Peter Pan est ouvert. On dirait que oui, on dirait ouais. On va essayer de faire un petit tour de Peter Pan, allez, c'est parti. Bonjour. On a fait Peter Pan, maintenant on va aller, vu qu'on on profite qu'il n'y ait pas trop de monde encore, vous voyez, le parc est relativement vide à cet endroit là, on va aller je pense faire un tour de Pirates des Caraïbes, ça vous dit, allez c'est parti. Thank you.
Tu connais cette chanson perroquet? Chante avec nous si le cœur t'en dit. Bon, ça y est, donc bon, on vient de faire pirate. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde parce que bon, là actuellement, c'est vrai qu'avec tout ce qui est les limitations de fréquentation. Mais bon, j'avoue que l'ambiance du parc est assez bizarre. Il y a une ambiance un peu différente, vous voyez. Donc là, je vois les photographes Photopass juste derrière moi. Là. Donc, je pense qu'on va essayer de faire une photo Magic Shot, ce qu'ils appellent le Magic Shot, c'est-à-dire qu'en fait, avec un personnage qui apparaît dans votre main. Enfin, on va essayer ça, mais il n'y a personne, on va y aller. Allez. Bon, voilà, c'est donc la photo normalement c'est donc si je vous la mettrai je vous la mets là, voilà, donc je vous laisse pour la voir. Maintenant je vais aller faire, alors vous savez que Big Thunder Mountain c'est mon attraction préférée. J'avais dit que je faisais en premier à la réouverture. Bon, après bon, les circonstances font que voilà, on a fait Peter Pan en premier, bon c'est pas grave, mais on va aller de ce pas faire Big Thunder Mountain parce que voilà, donc c'est mon attraction préférée, donc comme vous savez. Allez, c'est parti, direction la mine la plus dingue de l'Ouest. En passant, il y a des ventes privées là, vous voyez. Il y a des ventes privées aujourd'hui encore. Au niveau. Alors, sur la route, je me suis arrêté à faire quelques achats, vous voyez, j'ai pris des caisses, ces belles oreilles de la collection Belle of the Bronze, avec le Spirit Jersey qui est à moins 70%, moins la réduction passe annuelle également. Et j'ai fait la rencontre de personnes qui me suivent comme vous, voilà. Donc via Instagram, donc comme vous voyez, le monde est petit, on se voit beaucoup sur le parc. Vous venez d'où déjà? De Belgique, vous voyez, donc Marseille et la Belgique, comme ça au moins ça va loin. Bon, mais on va aller faire le BTM ensemble, du coup, voilà. Allez, c'est parti. Lui aussi il m'avait manqué. Ah, BTM ça m'avait manqué beaucoup. Eh, ça fait longtemps BTM, non? Ouais. Hein. Ça. Oh là là, c'est dark. Oh là là, El Diablo. On a vu El Diablo là-bas. Vous pouvez dire un mot pour nos viewers? Ça va. Bon, on a croisé Natacha Rafalski, la présidente de Disneyland Paris à nouveau. Et je viens de tomber sur, peut-être vous connaissez, Kevin de Toon Studio Prod. Voilà, donc vous connaissez la bande à Disney, ces émissions qui passent régulièrement.
Bon, j'espère, on a hâte de te revoir à nouveau dans les émissions. Oui, bientôt. Bientôt. Avec Elsa qui est présente ici aussi, et qui fait partie de la bande à Disney. Ah, d'accord. Bon, ben voilà, donc ça fait plaisir de revoir des gens qu'on compte voir. C'est la réouverture officielle, il n'y a pas beaucoup de monde en plus, c'est ça qui est génial. Voilà. On profite à 100%. Ok. Bon, mais moi, on va continuer notre journée, puis voilà. Allez. Bon, on profite, on fait un petit selfie avec Mini, qu'est-ce que vous en dites hein. Elle est super, en tenue cowgirl en plus. Voilà. Allez, un petit selfie, il n'y a pas beaucoup, il y a 5 minutes d'attente, je crois, non? C'est ça? Ouais, 5 minutes d'attente, voilà. Bon, bah, c'est parti. Hello Mini. Hello. Bon, là vous entendez, ils donnent les consignes de sécurité, donc c'est répété tout le temps dans le parc, entre guillemets, à plusieurs façons. Je crois qu'il y a une petite photolocation juste là. Donc là, vous avez, je crois, le Magic Shot avec le fantôme. Là, vous allez voir, c'est un Magic Shot, donc avec la photo qui apparaît. Je vous la mets là, je vous la mettrai juste là en haut. Voilà, donc on va aller le faire parce que bon, il n'y a pas grand monde. Bon, on va aller faire, après on ira faire un tour de fantôme maintenant quand même. Voilà. Bon, ben du coup, il y a trop de monde apparemment, parce que c'est que du fait des distances, des règles de sécurité et tout ça, bon, Fantôme Manor, bon, il y avait 20 minutes d'attente, je crois qu'on reviendra plus tard, parce que pour l'instant, il y a beaucoup trop de monde pour l'instant. Alors que, regardez derrière moi, nous avons Big Thunder Mountain qui est en panne, comme d'habitude, quelle joie de, voilà. Ben voilà, même les 101 sont revenus, voilà, c'est la réouverture des 101 aussi. Voilà. Voilà, donc, mort de rire, BTM. Bon, on l'a fait à temps, vous me direz qu'on l'a fait à temps. Parce que bon, c'est vrai que j'aurais pu être coincé à l'intérieur. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va changer de land. On va complètement traverser, on va aller à Discoveryland. On n'a pas été encore à Discoveryland. Et on va aller faire, je pense, un petit Space Mountain, un petit Hyper Space Mountain, non? Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, ça faisait longtemps. Et voilà, on est en passage, on voit le château. Enfin, ça fait pas de mal, il nous a tellement manqué le château, vous voyez que. Voilà, donc allez. C'est parti! Si vous préférez, vous avez également le menu à 49€ le King Nuggets. Au choix. Voilà. Soit vous faites une attraction, soit vous mangez le King Nuggets. Voilà. Bon. Voilà, juste ici vous avez des photographes pour faire les photos. Ici donc là vous pouvez faire vos photos tranquillement devant le château. Donc voilà, donc c'est bon, ça y est, donc on a fait nos photos photopas, donc je vous les mets, je vous les mets là et là, voilà. Donc voilà, vous avez des photographes photopas, donc n'hésitez pas, ils sont un peu partout dans le parc, donc vous pourrez faire des magic shots entre guillemets. Et donc voilà, le château derrière, quoi de mieux, voilà. Bon, sur ce, ben, du coup, on va aller du coup à Discoveryland, parce qu'on avait dit qu'on est à Discoveryland. Mais je pense qu'on va peut-être faire, je sais pas, on va aller à Discoveryland d'abord, et puis voilà, je vous dis un peu. Voilà, alors que Death Electric Laser Blast est toujours en réhabilitation.
Il a pris du retard, comme vous savez, du fait des travaux, enfin, du fait de la fermeture, etc. Donc Buzz Lightyear est toujours fermé pour l'instant. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde à Upper Space Mountain, parce que sinon, voilà. Petit truc, bon, je vais vous filmer là en passant. Vous avez vu qu'ils ils ont mis du plexiglas partout dans les attractions. Donc il y en a dans beaucoup de files d'attente. Il y a plus de 3 km de files de plexiglas, comme vous savez. Là, si vous les voyez, c'est juste là, derrière moi, donc, sur l'entrée de Upper Space Mountain. Bon, ben allez, c'est parti, on y va. Hein. On file dans une galaxie lointaine, très lointaine. From lonely days to fading nights, we really thought we knew. Why is it so hard to see when it's right in front of you? C'était cool à nouveau de pouvoir faire Space Mountain, Hyper Space Mountain. Bon, c'était franchement c'était bien. Du coup on va aller voir du côté de Star Tour. Du coup on est dans le coin. Je sais pas. Après on va redescendre peut-être sur Main Street et peut-être voir si après on ira peut-être au studio un peu plus tard du coup. Et également il y a des choses qui se passent à studio, on va aller voir ça après. Mais voilà, bon en attendant, bon, on va aller faire un coup, on va aller faire Star Tour. Allez. C'est parti. I wish we were in having conversations in my head. So pick me up in 45, I'm waiting for your call. I'm over it, I'm coming over, going off the wall. Wanna stop, can't turn it off this time. You know what, you know what. Bon voilà, donc là on vient de faire Upper Space Mountain et Star Tour. Du coup, là, ce qu'on va faire maintenant, je pense qu'on a fait à peu près tout le tour du parc, comme vous avez vu. On va aller du coup, maintenant je pense qu'on va aller au Walt Disney Studio tranquillement. On passe par Main Street, voir un peu s'il y a quelque chose à voir de différent, voilà. Mais on va aller à Main Street et Walt Disney Studio pour voir un peu tout ce qu'il y a là-bas. Voilà, donc allez, c'est parti. On se retrouve là-bas. Alors là, je suis au niveau du Café Corner. Là, juste derrière moi, le Café Corner. Donc là, juste derrière, vous avez des tables pour pouvoir manger. Donc, c'est des ventes à emporter uniquement. Donc, voilà, vous pouvez manger tranquillement là sur les tables au Café Corner, au niveau du Café Corner. Voilà, c'est juste, voilà. Donc là, comme là, c'est l'heure de manger bientôt. Donc là, j'en profite pour vous le dire au passage. Voilà. Voilà, je suis avec Daisy, les gens. Coucou Daisy. Bisous, bisous. Voilà, ça y est, on est au Walt Disney Studio.
Alors vous avez vu les ventes privées qui continuent encore. Là, on rentre dans le studio 1 actuellement, voilà. Les ventes privées qui continuent à nouveau. Et vous avez vu toute la procédure que vous devez faire pour rentrer dans le parc, dans les parcs. C'est-à-dire que vous avez le cast member qui se trouve au bout juste avant de votre passage. Voilà. Avant de scanner votre ticket, vous présentez le téléphone et il vous scanne le QR code que vous avez fait au moment de la réservation en ligne. Voilà. Donc ça permet donc du coup de pouvoir limiter le nombre de personnes. Alors que là, juste derrière moi, là c'est les ventes privées Pandora juste derrière. Donc à la boutique, je ne sais plus le nom de la boutique, c'est Hollywood Jewel Blocks. Voilà, je ne sais plus exactement. Voilà. Et voilà, donc ça permet du coup de limiter, de pouvoir filtrer au mieux. Voilà, donc, voilà. Mais sinon voilà, globalement c'est assez fluide, ça va assez vite. Il n'y a que ce matin que c'était un peu le white ce matin. Mais là maintenant voilà, ça va un peu mieux maintenant que la journée a bien démarré. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse. On va aller voir Olaf parce que j'ai une réservation via Line Berti. Je vous expliquerai après tout à l'heure. Allez, on va voir Olaf maintenant. Embrasse très fort. Bon, voilà, donc je vous explique. Donc là, on vient de faire la photo avec Olaf. Alors, attention, Olaf, c'est uniquement via Line Berti qu'il faut réserver pour voir Olaf. Pareil pour ici, vous avez juste là donc le royaume donc enchanté d'Arendelle, donc avec Anna, Elsa et Christophe. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait vos tickets pour les voir, mais bon, vous inquiétez pas, donc peut-être pas dans cette vidéo là, mais peut-être dans d'autres vidéos. On verra peut-être si on peut le faire tout à l'heure, mais je sais pas, c'est pas trop sûr parce qu'il n'y a plus de Line Berti, c'est complet. Il y a aussi Mini aussi, on va aller voir Mini également du côté là-bas derrière, donc à côté de Crush Coaster. Donc voilà, c'est parti, donc voilà, attention si vous venez. Donc je vous explique par contre, pour le Royaume d'Arendelle, il faudra venir 15 minutes avant l'heure de votre ticket, attention, sinon vous serez refoulé à l'entrée, vous ne pourrez pas rentrer, voilà. Bon, on va aller voir Mini maintenant, allez c'est parti. Par les tortues, elles sont les remanger, d'accord ? Coucou Mini ! Comme tu es jolie ! Coucou ! Se déguste ici à Paris. Et ce soir, Rémi, le plus grand cuisinier de la capitale, s'apprête à... C'est pour Hamlet? Tout simplement. Voilà. Mais oui, that's it! Oh,
are you doing? Que m'a-t-il dansé Voilà, ça y est, on vient de finir là. La Hollywood Tower Hotel. Alors, tiens, ça fait bizarre parce que ça, franchement, ça faisait un moment. Du coup, les sensations, j'avais oublié la sensation que c'est ce que ça faisait de monter, descendre, vous savez. Donc, du coup, voilà. Donc là, on arrive au niveau de. Tiens, je sais ce qu'on va faire. Alors, je pense qu'il n'y a pas trop de monde. On va aller à Studio Theater parce qu'il nous attend les rencontres avec les, je crois, les super-héros Marvel. On va aller voir si on peut y aller maintenant. Sinon, au pire, ben, on ira tout à l'heure. Je vais aller voir et puis voilà, je vous dis à plus tard. Voilà. Ouais, donc c'est ça, il faut bien revenir après parce que en fait, il y a des horaires à respecter. Il y a des. En fait, là par exemple, là, je suis en début d'après-midi. Par exemple, la Mickey Magicien, on va y aller pour 2h30, nous, pas moi, 2h30. Après, à partir de 15h, les super-héros Marvel à Studio Theater. Il faut arriver, un conseil arriver bien avant pour être sûr de pouvoir entrer. Voilà. Du coup, je pense qu'on va essayer d'aller manger. Je sais pas. Je vais voir. Bon, je vous reprends de son. Voilà. Bon les gars, bon ça y est, on s'est posé pour manger. Donc le burger Black Widow, c'est vrai que celui qu'on aurait dû avoir pour la saison Marvel. Malheureusement, la saison Marvel, ce sera pas pour de suite, vous voyez. On va goûter de suite, je vous dis ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Ok, pas trop mal. C'est bon, c'est très bon, je valide. Bon, par contre, le seul inconvénient, c'est que les desserts, comme vous savez, on en a parlé déjà dans les lives. Les desserts sont à la carte, donc les desserts, ils ont baissé les prix d'un euro. Le menu est à 15,99€. Par contre, les desserts ne sont pas inclus, donc c'est un peu dommage. Donc, malheureusement, voilà. On ne pourra pas goûter le gâteau Black Widow. Bon.
pour le contrat demain ou après-demain, mais voilà, donc le dessert est à la carte, malheureusement. Voilà. Bon, sur ce, ben, je vais manger tranquillement, et ben, je vous retrouve après, voilà. Allez. Bon, je suis à... Vous savez, l'animagicillateur, là où il y avait Mickey le magicien, donc là-bas. On va rencontrer Mickey et un personnage, on ne sait pas qui. Il n'y a pas le Mickey magicien pour l'instant, ne reviendra pas. Comme vous savez, donc, ils ont mis des personnages à la place. Ça sera Mickey en tenue de magicien, comme j'ai vu sur plein de stories Instagram, plein de photos sur Facebook, etc. Peut-être la marraine La Bonne Fée, peut-être Belle, Cendrillon, je ne sais pas, on verra bien. Voilà, donc ça se passe par session, donc vous devez vous présenter au cast member à l'entrée et ensuite vous rentrez par session. Donc là on attend pour rentrer pour Mickey, voilà, voir Mickey magicien. Voilà. Pas le spectacle, mais le selfie spot. Voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, finalement les amis, bon, on a changé nos plans parce qu'il y avait du monde à Mickey le magicien. On ira peut-être demain ou après-demain. J'ai pris sur Line Bertie pour aller voir du coup Anna, Elsa et Christophe. Animation célébration comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai attendu pour vous dire une heure et du coup ça avançait pas franchement. Mickey magicien c'est une horreur. Je pense qu'on retentera le coup du coup donc dans la prochaine vidéo. Je vous la fais demain. Enfin, pour moi ça sera demain et pour vous ça sera du coup dans la prochaine vidéo. Voilà. Voilà, bon, on va entrer donc animation célébration pour Anna, Elsa et Christophe. Là, laisse tomber, c'est mort. Maintenant, messieurs, vous allez sur la montagne du Nord. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous ensemble ? Ouais. 1, 2, 3, 4. Très bien. Bonjour. Coucou. Coucou. Ah oui. Oui. Bah là encore mieux. Oui. Bonjour Elsa. On peut rester. Bonjour Anna. On ferme les portes. Ah bah ça c'est comme toujours. On l'a vu tout à l'heure, je l'ai vu tout à l'heure déjà. Oui, comment Elsa? Coucou. Et ça fait quoi? Là. Bon, j'ai retrouvé des amis là, les gars. Regardez, bon. Dites coucou. Non. Voilà. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas. Petit retour. Donc là, on va changer de parc parce que là, quand le Walt Disney Studio, bon, on a pour aujourd'hui, je crois que ça va être bon. Après, il y aura d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Mais on va aller à côté au Disneyland Park. Avant que ça ferme, on va essayer de faire un tour de Railroad, Disneyland Railroad qui fait son grand retour. Ça nous avait manqué, donc un petit tour de train de Disneyland Railroad, voilà. Allez, c'est parti, on y va, direction le roi des Disneyland Park. À vous les studios. Bon voilà, donc on est de retour dans le Disneyland Park. Le souci c'est que bon, à la gare de Main Street, il y a beaucoup de monde pour monter pour faire le Disneyland Railroad. Le problème c'est que du coup on va essayer d'aller à Fantasyland Station parce que c'est là où il y a moins de monde. Du coup il faut traverser tout le parc pour embarquer donc, dans le Railroad à Fantasyland. Voilà. Donc on va y aller de suite. Attendez, je vais vous montrer quelqu'un. Oula. Bonjour monsieur, comment vous allez? Oh coucou! Que c'est qui là? Bonjour! Bon, on arrive au niveau de Fantasyland Station. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc on va aller. Donc là vous avez, Mickey, c'était ici. C'est vers là qu'il faut tourner pour aller du coup à Fantasyland Station. Voilà, c'est vers la gauche, il faut monter, c'est caché. Voilà. Allez, c'est parti! Bon, comme vous voyez, ça n'a pas pu se faire du coup, parce qu'il y avait malheureusement, en fait, ils ont dit ce qu'ils expliquent, c'est que comme il y a deux trains qui circulent normalement, là, vu l'heure qu'il est maintenant, c'est bientôt la fermeture de l'attraction, il ne reste plus qu'un seul train qui circule, et en fait, le temps qu'il fasse le tour, ça fait toutes les 30 minutes que le train arrive. Donc voilà, sachez-le,
Mais bon, le meilleur moyen d'embarquer sans faire trop de queue, c'est au niveau de Fantasyland Station, voilà. Mais bon, c'est pas grave, donc on va continuer, c'est pas grave, on continue la journée. On va essayer de voir s'il y a du monde à It's a Small World. Et sinon, le Railroad, ne vous inquiétez pas, donc ça sera donc dans la prochaine vidéo que je vous ferai demain. Mais voilà, donc au prochain épisode, le Railroad, j'espère pouvoir vous montrer. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on est là encore pour 4 jours, donc aucun souci. Voilà, allez, je vous retrouve après. Après It's a Small World, je suis donc du coup retourné devant Pirates des Caraïbes parce qu'il paraît que en haut là sur le balcon il y a une petite animation. Bon, on sait pas quoi que c'est, mais voilà, bon, on va voir ce que c'est, puis bon, et après on va aller voir ailleurs ce qu'il y a. Donc, allez, je vous laisse avec la surprise. Bon voilà, ça y est, donc, vous avez vu la surprise. Donc en fait, vous avez de temps en temps des personnages qui peuvent apparaître comme ça, de manière, on appelle ça en happening, vous voyez. On avait en premier le capitaine Crochet avec Mouche, et ensuite évidemment le capitaine Jack Sparrow. Voilà, évidemment, donc, on est chez lui, on était au Captain Jack Restaurant, et à côté bien sûr à l'attraction Pirates des Caraïbes. Voilà, cela va de soi. Donc voilà, donc ça vous le sachiez. Bon, pour la petite histoire, j'ai attendu un petit moment le temps qu'il sorte, mais je savais qu'il allait sortir. Mais voilà, donc faut le savoir, vous pourrez les apercevoir à cet endroit-là. Du coup, on va aller, je pense qu'on va aller sur Main Street, tiens. Voilà, on se balade tranquille. Puis, voilà, je vous reprends dès qu'il se passe quelque chose, je vous reprends. Voilà. Allez, à plus tard. Hold it, please.
Bon voilà les amis, donc comme vous savez, donc on est allé, bon chalet, on est passé donc par là, du coup il y avait le show des fontaines, donc on s'est arrêté du coup pour voir du coup le show, donc avec la fameuse nouvelle musique comme vous avez vu, Coming Home to Disneyland, donc la musique que vous avez entendue lors du début de la vidéo, la musique d'ouverture de Disneyland Paris, la grande ouverture qui dit voilà, on a tellement attendu, on a tellement, c'est vrai que ça fait que c'était très très long. Enfin bon voilà, donc comment vous dire, bon il reste plus qu'une heure avant la fin de la journée, on va aller, je pense qu'on va aller faire un tour de Phantom Manor, parce que ce matin on n'a pas pu le faire, et je pense qu'après on va terminer tranquille sur un petit BTM, un petit Space Mountain, on verra bien, en fonction du temps qui nous reste, et puis ensuite voilà, je vous montre, on se dira donc pour la fin de la vidéo, voilà. Bon, allez, c'est parti, on y va, direction Phantom Manor. On a fait Phantom Manor. Alors, franchement, ça aussi, ça fait plaisir de le voir. Enfin, j'ai pas arrêté de le dire toute la journée, vous savez. Ça aussi, ça fait plaisir. Bon, maintenant, il ne reste pas beaucoup de temps. On va aller, je pense qu'on va aller refaire un tour de BTM. Bon, on va pas. On l'a fait ensemble ce matin. Mais bon, je vais aller faire un tour de BTM. Et puis voilà, après, on se retrouvera après vers Main Street pour se dire, pour donner la fin de la vidéo qui va voilà, s'arrêter après. Voilà. Allez, à tout à l'heure.
Voilà, c'est tous ces applaudissements. Merci les cast members qui nous ont toute la journée, qui nous ont permis de vivre cette réouverture ensemble. Donc voilà, donc on tire un gros chapeau aux cast members qui nous ont beaucoup apporté aujourd'hui. Voilà, donc avec Mickey et Minnie juste derrière nous. Voilà, donc c'est ainsi que la vidéo s'achève pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures, donc moi demain sur le parc et puis vous dans la prochaine vidéo. Voilà, sur cela, portez-vous bien, bonne journée et à bientôt. Voilà. Merci.